Et salut à tous, c'est Mac Maboul pour plein de tutos en vrac. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vous fais une vidéo IRL, même si vous n'allez pas me voir, car pour des raisons personnelles, je préfère rester anonyme. C'est un choix que j'ai fait depuis le départ. Par contre, dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer le matériel avec lequel je travaille tous les jours pour vous faire des vidéos. On passe tout de suite dans la chambre et je vous explique tout ça. A tout de suite. Nous voici maintenant dans la chambre où je bosse tous les jours. Donc, pour commencer, le plus important et le plus essentiel, mon MacBook Pro 17 pouces d'année 2010. Ma Magic Mouse que j'utilise énormément car ça fatigue quand vous utilisez beaucoup votre Mac et que vous n'avez pas de souris. Mon dock, l'iPhone 5 avec lequel je suis en train de filmer. Un petit cache, le chargeur pour iPhone. Ici, un appareil photo avec trépied. Quoi d'autre, mes amis? Ici, on arrive, on a un boîtier externe pour lecteur CD. Donc, c'est le Super Drive du Mac que j'ai enlevé car je l'ai remplacé par un SSD. Donc là, on a le Super Drive qui était à l'intérieur du Mac. Ici, on a un trépied très utile pour iPhone. Donc, vous pouvez placer, enfin pour iPhone, pour iDevice, quoi. Vous pouvez placer donc comme ça. Donc, vous rentrez l'iPhone ici, hop, vous le placez comme ça, à l'horizontale, et vous pouvez filmer avec. Ça, c'est un support de bureau pour iDevice aussi. Donc, il suffit de mettre l'iPhone comme ça, hop, et ça tient. Ici, un autre support, j'utilise énormément les supports. Donc, ici, c'est un autre support, malheureusement, pour iPhone 4S, iPhone 4, etc. Donc, il ne marche pas pour iPhone 5. Ici, ça, je vais vous faire un test dessus. C'est un super micro de la marque Behringer C1U, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est vraiment un micro exceptionnel que je vais utiliser dans mes prochaines vidéos. Donc, je viens de me le procurer. Ici, vous avez la boîte du MacBook Pro. Ici, la boîte de l'Xbox 360. Ici, vous avez un filtre anti-pop. Donc, ça, vous le prenez, c'est très utile aussi. Vous le placez devant le micro pour éviter que des parasites passent dans l'enregistrement. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai encore d'autres matériels, mais pas dans cette chambre. Je vous les présenterai dans une autre vidéo. C'était tout pour Mac Maboul et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut !